So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are. So I will call upon your name and keep my eyes above. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie, les unités de vie, nous l'avons reçu à lui. La bonne santé, je n'ai pas peut-être Seigneur, je cherche, mais la vie, je l'ai reçu et il n'y a rien qui peut remplacer la vie. Il n'y a rien qui peut me donner la vie. La chose qui me chagrine, la chose qui me fait mal, si on me donne la chose là et qu'on monte la vie, je n'aurai même pas encore besoin de cette chose là. Béni soit l'Éternel pour tous ses bienfaits. C'est lui qui fait que mes pieds peuvent encore se tenir. Il y a quelqu'un, quelque part, il a toujours ses pieds avec lui, mais ses pieds ne peuvent plus se tenir. Il y a quelqu'un, quelque part, il a toujours ses yeux avec lui-même. Ses yeux ne peuvent plus voir. Seigneur, nous voulons reconnaître toutes tes bontés. Nous voulons reconnaître toutes tes bienfaits. Nous voulons reconnaître que nous avons trouvé grâce devant tes yeux. Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui et nous disons à notre âme, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun des biens que l'Éternel a fait dans ma vie. Oui, bénis l'Éternel pour ses bontés qui ne s'épuisent point. Bénis l'Éternel pour sa miséricorde, cette compassion qui se renouvelle chaque jour. Aujourd'hui, il a renouvelé encore ses compassions envers toi. Aujourd'hui, il a renouvelé encore ses bontés envers nous. Et nous sommes reconnaissants. En venant dans sa présence, nous lui disons merci. Nous voulons lui offrir des sacrifices de nos louanges. Car nous disons, nous sommes des sacrificataires selon le modèle de Christ. Selon le modèle de Jésus, ce que nous offrons à Dieu, c'est nos propres vies. Quand nous regardons nos vies et nous regardons tout ce que Dieu fait avec nous, nous venons et nous nous inclinons, nous disons merci. Devant ta présence, nous voulons s'élever Jésus. Dans ta présence, nous voulons élever ton nom parce que tu nous as fait du bien. Éternel, par ta présence, parce que c'est ta présence qui rend ce moment extraordinaire, parce que c'est ta présence qui rend ce moment précieux, parce que c'est ta présence qui rend ce moment spécial. Nous voulons élever ton nom, ô Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux entonner ce cantique? Et pendant que tu l'entends, tu élèves Jésus dans ta vie. Jésus, tu l'élèves au-dessus de tes problèmes. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Tu peux le dire que tu es élevé, Jésus, au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de mes problèmes. Au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, tu es élevé au-dessus de tous les noms, Jésus. Jésus, tu es élevé. Ton nom est élevé au-dessus du
Seigneur Jésus. Tu es élevé, tu es élevé. Le calasta na maota, tu es adoré, tu es adoré. Parce que nous élevons Jésus. Tu es élevé. Dans nos vies, nous élevons Jésus. Au-dessus de tout. Dans nos défis, nous élevons Jésus. Rabbi, Rabbi. Est-ce que tu peux encore l'élever? Je veux que tu regardes à ton premier. Et que tu regardes aussi à Jésus. Mais que tu élèves Jésus au-dessus de tes problèmes. Chantons Rabbi, Rabbi. Rabbi, au-dessus de tous les morts, tu es élevé. Au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de tout. Il était que le Père t'a donné un nom. Jésus, 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 Jésus. Oh, tu es élevé. Au-dessus de tout. Est-ce que tu crois que Jésus est élevé? Tu es élevé. Chantons Chino, Chino. Dans cet instant, éternel, dans ce moment, comme nous sommes dans ta présence, Jésus, nous t'élevons au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es acclamé, tu es acclamé. Au-dessus de tout Jésus, nous t'élevons. Au-dessus de nos âmes, Jésus, nous t'élevons. Au-dessus de nos problèmes, Jésus, nous t'élevons. Au-dessus des adversités de nos vies, au-dessus de ce qui se montre impossible dans notre vie, nous t'élevons. Au-dessus des choses qui se montrent dures et terribles dans nos vies, nous t'élevons. Plus haut. Plus haut. Viens prendre ta place. Que rien ne te remplace. Nous t'élevons pour que tous disparaissent maintenant. Pour qu'il ne reste que toi. Nous t'élevons au-dessus de cette prédication. Saint-Esprit, il est écrit, quand tu viendras, tu glorifieras Jésus. Glorifie Jésus maintenant. Maintenant, comme nous sommes réunis autour de ton nom, donne gloire, donne honneur au nom de Jésus. Merci. Merci pour la gloire. Merci pour la grandeur. Merci pour la puissance de ton nom qui se manifeste et qui se signale maintenant par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des interventions divines. Merci Jésus. Merci. On peut reprendre nos places. Et pendant que nous reprenons nos places, nous acclamons pour le Seigneur. Des acclamations bien nourries. Des acclamations bien convaincantes. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Merci à Dieu qui
qui nous fait grâce de se tenir encore aujourd'hui là devant vous, qui a apporté son choix sur nous pour pouvoir partager sa parole. Merci à l'homme de Dieu qui nous fait confiance et qui pense qu'on a une pierre à apporter dans cet édifice afin de faire avancer cette œuvre. Et merci à vous qui êtes là, à présentiel, mais comme aussi à ceux qui nous suivent à l'humain. Je veux beaucoup plus acclamer pour ceux qui sont là parce que ce sont des géants, ce sont des vaillants, ce sont des héros. Ceux-ci qui ont déjà la force de lever les matins pour être là, pour adorer Dieu, ça montre tu as aussi la force pour passer au-dessus des problèmes de ta vie. Que Dieu te bénisse et toutes nos félicitations. Merci au Seigneur. J'ai une pensée que je vais partager avec nous. Ça résulte à une réflexion suite à certaines choses, à certaines réalités auxquelles on fait face, qui nous a amené à se poser des questions et des questions. Je ne pense même pas avoir eu toutes les réponses, mais le peu de ce que Dieu dépose dans nos cœurs par rapport à cette situation, c'était dans mon cœur, je tiens à vous le partager. Et normalement, je pouvais même mettre à côté les thèmes, mettre à côté tous les protocoles pour annoncer la parole de Dieu et nous parler carrément et puis sincèrement, mais on doit respecter nos rites. C'est pour cela que je vous donne les thèmes. Les thèmes de notre message du jour, c'est l'obéissance des sacrifices. Est-ce que vous pouvez dire avec moi l'obéissance des sacrifices? Gloire à Dieu. Et nous allons prendre nos Bibles, on va faire la lecture ensemble. Dans le livre de 1 Samuel, c'est le premier passage que nous allons lire aujourd'hui. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Nos bien-aimés ont affiché, ça va nous aider. Nous allons lire tous ensemble. 1, 2, 3. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il... Apparemment, j'ai dit ça. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Amen. Merci. 1, 2, 3. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et la graisse et des liens. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Nous avons l'impression, quand on lit ces passages de la Bible, que ce qu'il nous faut dans la vie avec Dieu, c'est seulement l'obéissance et pas des sacrifices. En d'autres termes, pour celui qui se donne à l'obéissance, celui qui s'engage dans sa vie à obéir Dieu, n'a pas besoin de sacrifices. Ça veut dire, autrement, il n'a pas besoin de réparations. Pourquoi? Parce que il ne fait que obéir à Dieu. Mais on doit noter que des fois dans la vie, c'est à l'ordre des sacrifices que nous devons notre obéissance. D'ailleurs, dans ces passages que nous venons de lire, si il a été dit des choses dures contre Saül, ce n'est pas qu'il a désobéi à n'importe quoi, mais c'est parce qu'il a désobéi à l'ordre de sacrifice. Et dans Genèse chapitre 22, c'est une longue lecture, je vais nous le dire, comme ça on ne va pas lire.
verset 1 jusqu'au verset 18, la Bible nous parle d'Abraham et des dieux. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui a dit, Abraham, il répondit, mais voici, ton ennemi, celui que tu aimes, Isaac, et là, offre-les à nos causes sur l'île des montagnes que j'ai détirées. Et Abraham a reçu de la part du Seigneur. Bien-aimé, c'est après quand Abraham a obéi à cet ordre et qu'il a accepté à offrir son fils, la Bible dit bien, celui qu'il aimait bien, celui qui était désigné comme son unique fils. Ce n'est que quand il a obéi à cet ordre, plus loin, vers le verset 18, la Bible dit, le Seigneur s'éleva et c'est là qu'il a commencé à jurer à Abraham. Il a dit à Abraham, c'est maintenant, je sais que tu m'aimes. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Avant, c'est vrai, la vie d'Abraham, si nous la lisons, depuis le début, c'était une vie acquise au sacrifice. Pour qu'il devienne juste comme la Bible déclare, hein, il a crié à Dieu et cela lui fut imputé en justice. Pour qu'il devienne juste et qu'il soit considéré comme père de la foi, en sorte que nous tous, nous sommes aujourd'hui considérés comme les descendants d'Abraham. Il est arrivé jusqu'à ce point, il est arrivé jusqu'à là comment c'est. Quand il a obéi à l'ordre de sacrifice. Alors, on peut retenir dans ce passage que Dieu n'est pas contre les sacrifices. Il est le Dieu de l'obéissance, mais il est aussi le Dieu des sacrifices. Plus loin, on peut se rendre compte, il n'avait même pas besoin de... Isaac meurt. Il ne voulait même pas prendre la vie d'Isaac. Mais pour se rassurer que Abraham m'aime réellement, pour que Dieu des fois se rassure qu'Abraham m'aime réellement, il a besoin qu'on soit prêt à obéir à l'ordre de sacrifice. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1, si Dieu n'est pas contre les sacrifices, dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte. Il nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il nous exhorte à un sacrifice, et cette fois-ci, à quel sacrifice? Au sacrifice de notre corps. Donc ceci montre que même dans le Nouveau Testament, Dieu n'est pas contre les sacrifices. Et il va plus loin, il nous demande de sacrifier nos corps. Bien aimé, parce que le corps qui n'est pas sacrifié à Dieu, c'est un corps qui peut être disqualifié dans la vie. Un corps qui ne se donne pas à Dieu, un corps qui n'est pas soumis à une vie, qui n'est pas soumis à une discipline, c'est un corps qui peut t'écarter de la destinée que Dieu a préparée pour toi. Nous n'avons qu'à voir la vie des athlètes. Quand ils compétissent dans une compétition, ils font tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disciplinent leur corps. Ils ne mangent pas n'importe comment. Ils ne dorment pas n'importe quand. Ils ne font pas des choses
n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il sait que, parce que je suis un compétiteur, si je veux bien remporter le prix, si je veux bien aller plus loin, je dois apprendre à faire des sacrifices sur mon corps. Je suis chrétien, je dois apprendre à offrir mon corps à Dieu comme sacrifice vivant. Il y a cette histoire, je peux citer les noms, on parle d'un joueur, selon ses contemporains, selon ses collègues, il disait qu'il devait être le meilleur joueur que le monde n'a connu. Son nom c'est Ronaldinho, c'était un fin dribbleur. Mais c'est quelqu'un aussi qui aimait beaucoup plus la vie. Il était dans des boîtes, il était dans des concerts. Et il y a un autre joueur, Samuel Eto'o, lui disait, mais tu as du talent. Et apparemment, nous tous sommes, nous sommes là, personne n'a du talent comme toi. Mais si tu ne t'entraînes pas, si tu ne soumets pas ton corps à des disciplines, si tu n'acceptes pas à faire des sacrifices, à sacrifier ton corps, tu seras écarté. Et évidemment, c'est ce qui est arrivé. D'ailleurs, ce conseil, il est donné, vous allez comprendre que j'aime le foot, hein, il est donné aussi à un autre joueur, Eden Hazard, qui a complètement, commence complètement à passer à côté de sa carrière. Pourquoi? Parce que le corps n'a pas été sacrifié à Dieu. Donc, la Bible, l'apôtre Paul nous exhorte à sacrifier nos corps comme des sacrifices, à offrir nos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Et il y a bien d'autres sacrifices que la Bible nous exhorte. Prenons les sacrifices de louange. Ce n'est pas facile. Quand nous venons là, on demande aux gens de louer. Et surtout quand tu as des problèmes. Mais nous devons apprendre à offrir à Dieu des sacrifices de louange. Donc, il y a comme ça toute une série des chapitres, des sacrifices que la Bible nous exhorte à offrir à Dieu. Il y a des sacrifices d'alliance. Apprendre à offrir des sacrifices pour entrer en alliance avec Dieu. Je veux dire que des sacrifices, quand quelqu'un apprend à présenter à Dieu des sacrifices, cela lui permet d'entrer en alliance avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu est très très importante dans la vie de tout enfant de Dieu. Dieu, ne vis pas ta vie sans alliance, ne vis pas ta vie sans alliance. Vous voyez la guerre qu'il y a aujourd'hui entre, on dit, l'Ukraine et la Russie, à autant normal. La Russie ne pouvait faire que d'un boucher d'Ukraine. À moins de 5 jours, ils pouvaient bien envahir l'Ukraine et puis annexer leur territoire. Mais parce que l'Ukraine s'est confectionné des alliances, ah, la grande Russie est en train de souffrir. Ne vis pas ta vie sans alliance. Voilà pourquoi les sacrifices sont très importants. En fait, les sacrifices, alors, c'est quoi? C'est quoi les sacrifices? Les sacrifices, c'est tout ce qu'on offre à Dieu. Mais qui a des prix? Je répète, c'est tout ce qu'on offre à Dieu, mais qui a des prix. L'idée derrière les sacrifices, c'est laquelle? C'est le prix. C'est comme ça. C'est qui? C'est David qui le dit dans 1 Chronique 21-24. Il dit, je n'offrirai pas à Dieu des sacrifices qui ne m'écoutent rien. Et si nous allons dans Malachie chapitre 1 verset 6-8, on évalue l'amour envers Dieu, le respect envers Dieu, l'amour, l'affection qu'on a envers Dieu par rapport au sacrifice, par rapport à l'offrande qu'on apporte à Dieu.
La Bible dit dans 1 Malachie, hein, les moutons que tu veux offrir à Dieu, prends-les, va essayer de l'offrir à ton gouverneur, s'il va t'accueillir. Si Dieu a des valeurs dans ta vie, on les saura par l'offrande que tu apportes à Dieu. En fait, en tout moment, quand tu viens, tu fais un sacrifice, tu mets une offrande, c'est comme si tu dis, mon Dieu m'écoute, hein? Je voulais que celui qui donne son montant, qu'il dise son montant, un centime. Mon Dieu m'écoute 5 euros. Mon Dieu m'écoute et surtout pas la dîme. L'un dixième, mon Dieu ne vale pas un dixième, je ne donne pas. Les sacrifices, l'idée derrière les sacrifices, c'est quoi? C'est le prix. Alors, la question que je peux te poser, c'est la suivante. Ton Dieu t'écoute combien? Vous savez, tout ce que nous avons dans la vie nous coûte. Les habits que tu as portés te coûtent. Il y a ceux qui ne portent pas n'importe quoi. Si ce n'est pas une griffe, il ne va pas les mettre. Il va dire que c'était temps changé. Je préfère marcher dessus. Mais ton Dieu te coûte quoi? La voiture avec laquelle tu roules, ça te coûte combien? Et vous savez, même le sommeil nous coûte un prix. La plaie, quand tu ne payes pas le loyer, le sommeil, pourquoi? Parce que même le sommeil a un prix. Et ton Dieu t'écoute quoi? Est-ce que tu sais quand tu apportes à Dieu quelque chose? C'est ce que Malachie nous dit. C'est comme si tu évalues Dieu. Tu dis, mon Dieu, écoutez ça. Et j'ai un truc dans ma vie. J'essaye de voir quel est le plus grand montant que j'ai déjà donné à Dieu. Et j'essaye de comparer ce que je me donne à moi-même. Si je fais mes calculs, lors de mon mariage, j'ai dépensé un montant énorme. Pour moi, bien sûr. Mais ce montant, je ne l'ai jamais donné à Dieu. Je prends l'engagement devant vous. Dieu m'aidera jusqu'au jour où je donnerai à Dieu un montant plus grand que l'argent que j'ai dépensé dans mon mariage. Je serai heureux parce que mon Dieu doit m'écouter plus que toutes choses. Amen. L'idée derrière le sacrifice, c'est quoi? C'est le prix. Ton Dieu t'écoute quoi? Ton Dieu t'écoute quoi? Permettez-moi avec une autre. Donc tu dois donner la valeur à Dieu. Parce que tu lui apportes, parce que tu amènes dans sa présence, parce que tu. Donc je me dis même, la Bible nous exhorte quand nous venons dans la présence de Dieu, de ne pas venir les mains vides. Comme si Dieu ne nous coûte rien. Alors, une autre question qu'on peut se poser, pourquoi les sacrifices? Pourquoi les sacrifices? Bien-aimés, on doit savoir que le monde spirituel, c'est un monde de puissance. Et le prix à payer pour dominer dans ce monde, c'est le sacrifice. Je répète, le monde spirituel, c'est un monde de puissance. Et le prix à payer, si tu veux dominer dans ce monde, c'est quoi? C'est le sacrifice. Et si nous allons plus loin, c'est vrai, nous avons la chair, nous avons notre corps,
nous avons l'impression que tout ne dépend que de ce monde physique. Bien aimé, c'est faux. Tout ce que nous vivons dans ce monde réel, tout ce que nous vivons dans ce monde physique, c'est presque impacté par des choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est ce qui se fait dans le monde spirituel qui finit par se refléter, se manifester dans le monde physique comme ça. C'est comme ça, les sorciers ne se dérangent pas. Toi, tu peux te lever sur les roues de coups. Il va peut-être même pas te frapper lui aussi. Mais il sait que tout se joue spirituellement. Et quand il va dans le monde spirituel, parce que là, il sait qu'il a le pouvoir, il sait qu'il arrivera à te faire du mal. Plus du mal que ce que toi, tu as tenté à le faire dans le monde physique. Alors, si tu ne veux pas être victime, si tu ne veux pas être toujours dominé dans ta vie, tu dois apprendre à avoir l'intelligence de sacrifice. Avoir quoi? L'intelligence du sacrifice pour que tu ne sois pas dominé dans le monde spirituel. Et surtout, si tu sais que dans ta vie, tu es confronté, je veux dire, tu as des confrontations spirituelles, comme c'est le cas dans la plupart des réalités de nos familles. Bien-aimés, fais tout et cherche à avoir l'intelligence de tes sacrifices. Parce que dans le monde spirituel, un papa sorcier qui n'a pas appris à sacrifier peut être bouffé par son fils sorcier qui a eu l'intelligence des sacrifices. Ça ne dépend pas de la force. Et la chose même ne se négocie pas. Ça dépend des sacrifices. Des sacrifices. Autant que tu sacrifies, autant que tu montes aussi dans les échelons. Ça ne dépend pas du temps que tu as passé dans ce monde-là. Ou même, je vais dire, même quand nous sommes là à l'église. Si je me dis, j'ai fait 10 ans dans cette église, c'est moi l'ancien. Tout le monde doit me respecter. Mais si quelqu'un vient après et que cette personne-là se sacrifie, il est toujours là dans l'enseignement, il est toujours là dans la prière, il est toujours là en cherchant Dieu, il est toujours là dans les jeunes, il est toujours là. Dans quelques temps, vous allez voir, moi qui ai fait 10 ans, je vais rester derrière celui qui a fait 2 ans. Pourquoi? Parce que celui qui a fait 2 ans apprend à faire des sacrifices. Donc c'est au prix du sacrifice dans le monde spirituel que tu peux prendre le dessus. Tu peux commencer à dominer sur tes ennemis. J'ai été étonné quand j'ai confectionné, j'ai médité un peu sur ces messages. Bien aimé, même Dieu, pour nous racheter, pour nous sauver, vous savez que tu es Dieu. Et qu'il a tout pouvoir. Il peut dire aujourd'hui, l'or, l'argent m'appartient, je viens, je prends l'or. Comme AP, aujourd'hui je suis avec AP, m'appartient, je viens, je prends AP, soi. Mais pour nous sauver, il lui a fallu quoi? Un sacrifice. La Bible dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que ces choses peuvent-elles pas nous enseigner? La grâce est là. C'est vrai. Nous ne vivons pas sous la loi même. La Bible dit, la loi était là comme un correcteur, comme quelqu'un qui nous aidait, qui nous montrait les chemins. Même si la grâce nous a sauvés, bien-aimés, cela ne veut pas dire qu'on doit rejeter le principe de la vie qui peut nous aider à réussir. Et parmi ces principes, c'est quoi? C'est le sacrifice. La vie chrétienne, c'est aussi une vie spirituelle. La vie de prière, c'est aussi une vie spirituelle. On a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. On a l'impression
et ça fait mal au cœur. C'est comme si les ténèbres, c'est comme si les mal, c'est comme si les problèmes, c'est comme si les difficultés, c'est comme si les adversités ont en train de prendre le dessus sur nous. Mais pourquoi? C'est parce que des fois, on pense qu'on est exempté du sacrifice. Et la conséquence, c'est laquelle, quoique on a tout ce que tu as fait pour nous, mais on se montre faible face à la diversité, face aux ennemis, face au cancer, face à toutes ces sortes de maladies qui défient même notre foi. C'est un monde spirituel. Et le plus pour dominer dans ce monde-là, c'est quoi? C'est le sacrifice. J'ai ces passages dans la Bible de deux personnes qui priaient et comment les résultats qu'ils ont eus dans leur prière et les traitements que le Seigneur les avait réservés. J'ai Luc chapitre 7, du verset 2 jusqu'au verset 10. On nous parle des centeniers romains. On dit, les centeniers romains avaient un problème. C'est son serviteur qui était malade. Il aimait beaucoup son serviteur et il cherchait la guérison de son serviteur. Et dans Matthieu 15, versets 1 à 14, on nous parle de cette femme qu'on appelle la femme Cyrono-phénicienne. Elle aussi avait un problème. Son problème, c'était lequel? Si le centenier romain, c'était son serviteur, elle, c'était sa fille. Si le centenier romain, son serviteur était malade, ça veut dire, à une mesure, il y avait une possibilité d'aller voir peut-être la science, d'aller voir les médecins qui pouvaient faire quelque chose. Mais la femme, on dit, sa fille était tourmentée par les démons qui le rendaient malade. Donc, ça veut dire, c'était un cas spirituel. Pour moi, c'est ce cas qui nécessitait plus l'intervention de Jésus. Parce que l'autre, si c'était encore une maladie normale, les médecins pouvaient faire quelque chose. Et tous les deux avaient une prière à faire. Ils souhaitaient la guérison, la propre rétablissement de celui-ci, de son serviteur, et celle-là de sa fille. Mais sauf que quand ils ont eu des problèmes, vous allez voir pour les centeniers romains, lui-même ne s'est même pas présenté devant Jésus. Ce sont les anciens de la ville qui se sont réunis et ils sont allés voir Jésus. Et qu'est-ce qu'ils disaient à Jésus? Ils ont dit à Jésus, cet homme-là, même s'il est centenier romain, pour notre rappel, il était là, c'était une armée qui est venue conquérir. J'évite de citer d'autres noms ici, prendre d'autres exemples. De peur de blesser certains cœurs. Vous savez, quand vous avez affaire à une armée qui est en train de conquérir vos terres, comment est-ce que vous les haïssez? Donc, vous pouvez souhaiter les bonnes choses pour tout le monde, mais sauf à ces personnes-là. C'était le cas de ces centeniers romains. Il était d'une armée étrangère qui est venue conquérir la terre de Judée. Ils se sont déplacés, ils sont allés voir Jésus en lui disant, lui, il mérite que tu fasses dire. Et apparemment, quand on lit ce passage, on se rend compte que c'est comme si Jésus était occupé à faire autre chose. C'est comme s'il allait ailleurs. Mais quand il a entendu ça, il a arrêté ce qu'il faisait et il a commencé à se rendre vers chez le centenier romain. Il a oublié même que ce n'était pas permis à un juif d'entrer dans la maison d'un païen. Il voulait se rendre jusqu'à chez les centeniers romains. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, il a construit une synagogue. Il est celui qui s'occupe de nous. Il est qui? Il est celui qui a l'intelligence des sacrifices. Et avant même que Jésus arrive là, quoique Jésus a apprécié sa foi, son serviteur était guéri. Mais prenons maintenant la femme Cyrono-phénicienne qui n'avait offert dans sa vie aucun sacrifice, mais qui avait aussi un problème. C'est comme moi et toi quand on prie.
devant un hôtel vide. Elle approchait le Seigneur juste à peine. Je crois qu'il a eu un peu de la chance de mettre l'été là parce que des gens comme des Thomas, comme des Jida, s'ils devraient se charger eux-mêmes de chasser cette femme, déjà on l'a traité de qui? De chat, d'une chienne. On lui a dit, on ne prend pas des choses saintes et qu'on les donne pour qu'on les donne aux chiens. Elle a été traitée comme ça. Mais pourtant, tous les deux sont des étrangers. Donc, normalement, tous les deux étaient des chiens. Mais les chiens qui a pris l'intelligence du sacrifice a reçu un traitement particulier, favorable. Et qui n'avait pas l'intelligence du sacrifice, on allait presque la chasser. Quand tu pries, devant quel hôtel tu pries? J'ai vu dans la Bible, dans l'hôtel où on offrait les sacrifices, il était interdit d'éteindre le feu de cet hôtel-là. Ça devait rester toujours allumé. Donc, ça veut dire, en tout moment, quand tu t'approches de Dieu, quand tu cherches Dieu dans ta prière, tu dois apprendre à le faire avec des sacrifices. Des sacrifices, des jeûnes, des sacrifices, des nuits de prière, des sacrifices, mais aussi des sacrifices de ceux qui t'écoutent. Il faut que ce que tu donnes à Dieu, quand tu l'enlèves, que tu sentes que ça m'a coûté quelque chose. Dans la Bible, toujours, il y a quelqu'un qui a offert à Dieu, je parle de Salomon, 1000 bœufs en holocauste. Et après avoir offert ça, quand il a offert ça à Dieu, il est allé sans demander quoi que ce soit à Dieu. Bien aimé, permettez-moi de le dire, c'est comme si Dieu était troublé. Comment cette personne peut me donner tout ça et puis me demander rien au retour? Si ce sont les chercher Dieu, cette fois-là, à cause du sacrifice que Salomon avait offert à Dieu, c'est Dieu qui est venu chercher Salomon. Il lui a dit, mais tu m'as offert tout ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu me demandes au retour? Et Salomon lui a regardé, lui a dit, ok, tu m'as donné à hériter le royaume de mon père, tu as été avec mon père, tu l'as aidé pendant tout son règne. Tout ce que je te demande, donne-moi la sagesse pour que je sache comment est-ce que je dois conduire et juger ton père. Et Dieu a dit, ben, tu me demandes que ça, je te le donne, mais je t'ajoute les richesses, je t'ajoute des bénédictions, je t'ajoute, et il a donné comme je ne donnerai plus jamais quelqu'un au monde, à cause de quoi? À cause du sacrifice. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Saoul était roi. Pendant tout le temps de son règne, tout ce qui l'intéressait, c'était de chercher à savoir comment est-ce qu'il peut garder son trône et assurer la dynastie à sa progéniture. Et pour cela, il n'arrêtait pas à faire la guerre. Il suffisait que quelque part, qu'il attende qu'un ennemi s'élève, il va, il cherche à les détruire. C'est comme ça, tout pendant tout son règne, à la place, il s'est donné comme un devoir majeur de poursuivre David. David qui se disait qu'il n'était qu'un chien. Pourquoi? Parce qu'il pensait, en faisant cela, il doit conserver son royaume. Et Jonathan et tous ceux qui de Mephibosheth deviendront plus tard roi et sa dynastie continuera. À toujours. Il a déployé, je vois, beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens. Il a engagé toute la stratégie de l'armée, toute la logistique de l'armée pour mater, pour détruire ses ennemis. Après, il est passé. Mais David, devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu, bien aimé, il ne l'a pas fait. Il a eu juste une idée. Une simple idée de bâtir la maison de l'Éternel. Il n'a pas cherché à aller combattre ses ennemis, comme quoi qu'il était un combattant, un guerrier. Et quand il a dit cette idée-là, Dieu l'a dit, mais comment, depuis toujours, je suis là, en Israël, l'arche n'habite que sur les tentes. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me bâtir une maison.
Je dois ouvrir une parenthèse rapide, ma bien-aimée. Quand Dieu laisse les besoins, il laisse les choses comme ça à l'église, vous savez, Dieu est le Tout-Puissant. Nous l'appelons Jéhovah Jireh. C'est lui qui paie ses pouvoirs par son pouvoir, par sa toute-puissance. Quand Dieu laisse les choses comme ça et qu'il ne parle pas, ce n'est pas que Dieu n'a pas de moyens à le faire. C'est plutôt des opportunités que Dieu met tout devant de lui. Et c'est ce qui est arrivé à David. Quand il a pris cette décision, écoutez, ce que Dieu lui a dit, toi, tu es un homme de sang. Ce n'est pas toi qui bâtiras ma maison. Mais néanmoins, dans ton cœur, puisque je lis dans ton amour, cette idée de bâtir pour moi une maison, un temple, moi, je vais bâtir pour toi une dynastie. Et le trône et le ciel ne s'éloignera jamais de David. C'est comme ça, même Christ est désigné aujourd'hui comme fils de David. Et quand même nous irons au ciel, celui qui va régner sur le trône, ça sera un fils de David. Pourquoi? Parce qu'il a appris l'intelligence de sacrifice. Le monde spirituel, c'est un monde de puissance. Et le prix à payer pour dominer dans ce monde, c'est quoi? Et je peux dire encore sur les sacrifices aujourd'hui. La vie n'est pas sans prix. Tout n'est pas gratuit dans la vie. Et là où il faut payer un prix, il ne faut jamais imposer la gratuité. Parce que les choses que nous recevons des fois gratuitement, nous échappent aussi gratuitement. Alors, là où il faut payer le prix, ne disons pas que nous n'allons pas payer et ne réclamons pas que la gratuité. J'ai parlé un jour avec le pasteur. Il m'a dit dans son travail, là où il bosse, on ne permet pas, on ne leur permet pas de toucher des pourboires. Et que quelqu'un, après le service, il te dise, voilà, je te donne ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que celui qui donne et celui qui ne donne pas n'auront pas tous les deux le même traitement. Bien aimé, il y a des choses qui font mal. Quand je vois comment est-ce que, je l'ai dit tantôt, les gens meurent. Aujourd'hui, les gens sont décimés par des maladies bizarres. Bien aimé, j'ai dit, le sacrifice peut te permettre à concevoir des alliances avec Dieu. Sauf, je crois, vers chapitre 50, je parlais. Même moi, mes fils, avec lesquels j'ai traité une alliance par les sacrifices. Le sacrifice peut te permettre d'entrer en alliance avec Dieu. Et Dieu seul sait comment l'alliance avec lui peut nous protéger. Pour tes enfants, pour ta vie, pour ton avenir, apprends à offrir des sacrifices avec Dieu, à Dieu, pardon. Apprends à entrer dans l'alliance avec Dieu. Et cela, je vais dire, même dans tous les domaines de ta vie. Cherchez à avoir l'intelligence de sacrifice. L'intelligence de sacrifice pour que tu ne tombes pas comme une victime. Voyons les besoins qui sont dans l'église, je les répète, comme des opportunités que Dieu nous donne à amener des sacrifices afin de conclure des alliances avec lui. Je dois finir. Un jour, je sentais, c'est comme si j'avais besoin, il y avait une exigence de faire un sacrifice, de donner quelque chose à Dieu. On donne souvent que des exemples favorables à nous. Hein. Je laisse tomber ça. Je prends d'abord ce qui est défavorable. Une fois, j'habitais une chambre chez nous. Et alors, j'ai entendu dans mes oreilles, tu dois donner l'équivalent de chambre que tu loues à l'offrande. Je regardais tous les problèmes que j'avais. Je suis un vrai quinoa. Vrai cara. Et après ce temps, je ne vous dirai pas comment est-ce que j'étais sorti. On m'a fait sortir là. Je ne dirais même pas chasser.
Et j'ai commencé à circuler maison après maison. S'il y a des gens qui acceptera de me loger. Moi, je ne sais pas si je devrais le dire. Des fois, nous savons ce que Dieu nous demande. Mais on ne sait pas qu'est-ce que Dieu va faire avec nous à cause de ce que nous avons. Je me suis dit, il fallait le peu pour que vous nous trouviez dans le métro. J'ai dit, mes frères, j'ai autant d'années, j'ai autant d'enfants, je n'ai rien à manger. Ticket restaurant, s'il vous plaît, il a fallu de tout. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas obéi à l'ordre du sacrifice. Mais après un temps, si je prends maintenant le bon exemple, j'ai senti que je devrais donner l'offrande à Dieu. C'était juste avant la COVID. Et une nuit, pendant que je dormais, j'ai fait un songe. Je me voyais, c'est comme si on faisait la queue, on faisait évidemment la queue, et qu'on devait entrer dans un endroit, en tout cas de loin. Je l'appréciais bien, c'était un endroit bien fait. Moi, de loin, je voyais que c'était un endroit bien. Et j'étais même impatient, j'étais pressé d'entrer dans cet endroit-là. Quand tout à coup, quelqu'un derrière moi, il m'a tapoté l'épaule et il m'a dit, mais toi, on a écarté ton nom. J'étais mal. Et juste quand on a écarté mon nom, je me suis réveillé. J'ai fourni l'effort pour revenir dans ce sommeil-là, pour chercher l'explication pourquoi est-ce qu'on a écarté mon nom. Et je me suis dit, ben, je voulais faire une offrande. Et j'hésitais. Pendant que je le disais, le pasteur Grâce m'a appelé. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, d'ailleurs, j'avais une offrande que je voulais faire. Vous savez, c'était juste, vraiment, presque à la COVID. Nous savons à cette époque qu'est-ce que nous attendait. On était sûr de rien. Il fallait bien garder ce qu'on avait. Mais j'ai pris le double de ce que je voulais donner à l'offrande. J'ai donné. Bien aimé, je me souviens bien, c'était un jeudi. Moi, je voyais toutes ces choses, c'était entre 9h et 11h. Et puis, on m'appelle pour me dire, vous voyez le monsieur qui m'avait tapoté là, pour me dire que le jeudi, à 11h, il a fait une crise, on l'a amené à l'hôpital, et à 18h, il a rendu l'âme. Je veux que vous vous rappelez. Quand on faisait la quête, moi j'étais devant lui. Lui, il était après moi. J'ai dit, on sait ce que Dieu nous demande, mais ce que Dieu nous donne au retour, on ne sait pas. Qui sait? Qui sait? Peut-être que je vais vous dire, et s'il a quitté? Et s'il a quitté? J'allais passer comme ça. Amen. Bien aimé. Des sacrifices. S'il y a une obéissance, une désobéissance à laquelle Dieu nous attend, c'est aussi d'obéir à l'ordre. Ça vous bénisse. Même le fait de s'élever le matin pour venir ici à l'église, c'est un sacrifice. J'aime bien quand tu restes là chez toi, ou suis pas en ligne. Mais, tu peux faire ce sacrifice-là. S'élever. Et je crois que tu feras même ce sacrifice-là. Je compte sur toi le dimanche prochain. Que tu viennes et nous retrouver ici. Merci de passer la parole au pasteur. Merci, nous allons prier pour cette parole. Nous allons tenir debout, nous allons prier pour cette parole, s'il vous plaît. Le sacrifice. Le sacrifice. Dieu prend plaisir à ce sacrifice. Il est important. Nous allons prier. Tu vas disposer ton cœur. Demander à Dieu de te donner ce cœur. Ce cœur qui sait faire des sacrifices. Et trop souvent, nous trouvons ce prétexte en disant que Dieu a déjà pourvu à la croix le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ est la base. Le sacrifice de Jésus-Christ, afin que tout ce que nous ne pouvions plus faire,
la relation que nous avions perdue avec le Père soit restaurée. Et sur cette base de cette relation, de ce sacrifice, nous nous apportons maintenant des sacrifices à Dieu, le sacrifice de notre vie, le sacrifice de notre obéissance, le sacrifice du soutien à l'œuvre du Seigneur, le sacrifice d'aimer son prochain, le sacrifice de servir Dieu, le sacrifice que Dieu nous donne un cœur disposé, 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 que Dieu nous donne un cœur disposé. Si tu ne pries pas, ton cœur naturellement ne pourra pas suivre ces choses. Car nous sommes dépassés par beaucoup d'événements et tant de besoins, tant de priorités à nos yeux dans ce monde, tant d'urgences, tant d'imprévus. Si ton cœur n'est pas disposé, tu ne pourras pas suivre le sacrifice. Tu ne pourras pas te disposer au sacrifice. When oceans rise, my soul will rest in.